parti de la route du col de la Madeleine à hauteur de Lavalette. La montée s'effectue par une petite sente qui rejoint le GR, enfin le sentier du Tour de la Lozière. Et là, je vais continuer tout droit en direction du Grand Pic, vers les éboulis et ensuite le glacier que je vais retrouver, je sais pas trop où. Ça grimpe assez raide. Depuis le petit chalet et le croisement avec le sentier de randonnée, la montée est très raide à travers les éboulis. Et ensuite, ce sont d'énormes cailloux instables. Ça passe bien, mais c'est dangereux quand même. Faut faire attention aux cailloux qui bougent. Donc là, je suis au sommet du Grand Éboulis. Ensuite, on arrive au glacier. On y est presque là. Donc je vais voir si ça passe ou si ça passe pas. Parce que plus haut, l'arête a l'air assez risquée. Alors on verra bien. Si je vais pas en haut, je vais pas en haut. C'est pas grave. Allez, je poursuis. Ça a l'air joli en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que c'est déjà trop risqué. En dessous, ben, c'est un éboulis qui est très instable, et puis on passe souvent au-dessus des rigoles du glacier. On entend couler sous ses pieds, alors donc faut être très méfiant. Pour faire le glacier, ben, il vaut mieux être bien équipé, crampons, piolet. Et puis il faut y aller à plusieurs, parce que c'est bien pentu quand même. Alors je vais pas prendre de risque et puis je vais redescendre tout tranquillement. Je vais essayer de rejoindre le petit col des aiguilles là. Et redescendre par l'autre combe pour visiter un petit peu. Allez, c'est parti pour la descente. Je vais essayer de rejoindre le petit collet là pour voir si ça raccourcit. On sait jamais, ça peut passer. Et bien j'y suis au petit collet, c'est passé du coup. Pas très compliqué, l'éboulis est assez stable. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à passer au petit col là-bas. Ça doit pas être bien compliqué non plus. Je vais essayer de passer à flanc, ça va éviter de descendre. Ah, le paysage est magnifique ici. Oh là là. Des aiguilles, c'est extraordinaire là. Toute la chaîne de la Lozière. C'est splendide. Voilà, tout est bien passé. Alors, bah ce petit col, je sais pas comment il s'appelle, je vais l'appeler le collet joli. Donc la traversée, bah, je l'ai faite dans les éboulis, ça passe à flanc très facilement. Et là, bah, voilà arrivé au col des aiguillons. Et je vais redescendre de l'autre côté dans la combe des plans. Et puis j'essaierai de récupérer un peu plus loin la combe de la Valette. Elle est très sympa cette combe, beaucoup plus large que la combe de la Valette.
Au départ, il faut descendre à travers les éboulis, toujours en suivant, en laissant la crête à droite. Et après, ben, on suit des pentes herbeuses à vue, on va dire. Jusqu'à rejoindre un petit collet, là. Puis après, je suivrai la crête, ou l'épaule plutôt, le plus bas possible pour rejoindre la voiture. La fin de la descente est directe, ça suit l'épaule. Mais pour les amateurs, ben, il n'y a plus de sentier. J'ai trouvé des petits cristaux de quartz. Ils sont petits mais mignons.